Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 10, 10, je crois que j'ai reçu un message comme quoi on est le 10. Non, 9, nous sommes le 9. Voilà, donc je viens de recevoir aujourd'hui de la part de AliExpress, il y a une grande promotion en fait en ce moment sur AliExpress. Vous avez jusqu'à moins 80% de réduction. Vous avez une livraison qui, vous avez des produits qui peuvent venir de plusieurs endroits en fait. Hein. Mais si vous choisissez vraiment la livraison, on m'a demandé de sélectionner des produits qui venaient justement de France. Donc, je les ai commandés la semaine dernière, c'était vendredi. Et j'ai reçu les produits, nous sommes mardi. Vous voyez, j'ai sélectionné aussi sur la plateforme. C'est toujours en partenariat avec AliExpress. J'ai reçu cet épurateur. Donc, c'est un épurateur ultrason professionnel pour la peau du visage. C'est un appareil de beauté pour nettoyer en profondeur le visage. Alors, je trouve déjà magnifique. Alors, c'est livré dans une petite boîte qui se présente comme ça. Belle idée de cadeau Noël. C'est de la marque. Il est déjà allumé. Donc ça se présente comme ça, vous voyez. Il était chargé quand je l'ai reçu. C'est une petite machine à ultrasons comme ça. Je l'ai déjà vu pas mal de fois sur des sites de beauté et ça m'a vraiment attiré, ça m'a intrigué en fait. J'avais envie de le tester. Donc c'est une machine professionnelle à ultrasons pour nettoyer le visage. Elle nettoie, elle le lift. Cette machine est conçue pour nettoyer en profondeur, aidant à absorber l'essence et à lifter en même temps. Vous pouvez aussi l'utiliser pour masser le visage quand vous portez un masque. Vous posez un masque sur le visage et vous faites les vibrations en fait au niveau du visage avec le masque dessus. C'est pour vous aider à mieux absorber le sérum qu'il y a dans les masques. Voilà. Donc vous avez un mode nettoyage qui va nettoyer, démaquiller et éliminer les points noirs. Mode lavage stimule le collagène et augmente l'élasticité de la peau également. Et voilà, donc il suffit de nettoyer. Écoutez, j'avais envie de l'essayer. Je vais nettoyer le visage avec une petite. Je vais utiliser. J'aime bien cette petite mousse de. J'aime beaucoup cette petite mousse de Secendo. Alors, on va essayer ça. C'est bien en fait de pouvoir commander et de recevoir les produits en 2 jours parce que franchement, c'est vrai que des fois c'est très long. Mais là, comme ils ont des plateformes, donc j'appuie sur voilà, et je nettoie mon visage avec. Alors, on sent vraiment les ultrasons, c'est. C'est doux, hein. C'est pas du tout. Ah, ça fait un bruit bizarre. Ça, c'est un bruit que ma chienne Kira n'aime pas. Donc là, vous allez bien enlever tous les points. Bon, j'ai pas forcément de points noirs, mais. Moi, j'adore toutes ces petites machines-là. Et oui, regarde. C'est pas mal, hein? Et puis au niveau du front, bon, c'est agréable. Et la vapeur qui sort. Donc voilà, comme ça vous faites un petit nettoyage de peau tranquille. Après vous avez, là je viens d'utiliser celui pour nettoyer le visage, mais vous avez celui qui lift. Et vous avez 3 en fait modes. Voilà, donc écoutez, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça vraiment sympa. Franchement, je suis très contente. Voilà, et puis c'est rechargeable. Hop, attendez, je vais l'éteindre. Vous voyez, c'est rechargeable. Vous avez une prise USB. Je vais l'éteindre. Le ranger. Voilà, ben, écoutez, pour ce produit, j'adore. J'ai d'autres produits à vous montrer. Je vous montrerai ça plus tard. Je vais prendre ma petite douche et puis je vous reviens plus tard. À tout à l'heure. Bonjour à toutes. Alors Bonjour à aujourd'hui, toutes. Je voulais vous présenter, j'espère que vous allez bien. AliExpress m'a permis de sélectionner. Moi, j'ai sélectionné cette fois-ci une superbe. Regardez-moi ça.
trop trop beau. Une magnifique friteuse sans huile. Vous savez, c'est les friteuses où on... Alors, je vais vous montrer. Je l'ai reçue hier. Et aujourd'hui, j'ai prévu de faire, je vais l'essayer, des frites, des petites frites sans, vous savez, avec très peu de matière grasse. Donc, j'ai trouvé que l'idée était super bonne. En plus, la machine est magnifique. Elle est super, super belle. Je ne l'ai pas encore ouverte, mais je peux vous dire que j'ai hâte d'essayer. Et même si vous avez envie de... Alors, je vous montre la boîte. Même si vous avez envie de... Ça se présente comme ça. C'est de la marque Miu. Miui. Voilà. Et même si vous achetez des frites congelées, vous les faites cuire dedans. Il n'y a pas besoin de matière grasse. Et elles sont déjà pré-cuites. Donc, c'est parfait. Vous avez un bac. Alors, elle se présente comme ça. Vous avez un petit bac qui est juste là, vous voyez. Et dedans, vous avez un truc en métal pour poser les frites dessus. Je pense que... Il faut que je retrouve la... Il doit y avoir normalement un mode d'emploi. Donc, dans la catégorie MU, vous voyez, vous pouvez trouver des... plein de choses en fait pour la cuisine. Vous avez le descriptif en français. Donc ça, c'est super. Pour les personnes qui veulent faire attention à leur poids, je trouve que c'est vraiment bien. Attends, je vais lire la notice. Je vais couper mes frites et je vous montre après ce que ça donne et ce que j'en ai pensé. Parce que je vais pas vous lire tout le mode d'emploi comme ça. Mais écoutez, je vais nettoyer, je vais préparer des petites frites et puis je vous montre au fur et à mesure. Et par contre, si je voulais vous montrer aussi, j'ai choisi un accessoire en fait pour peser les ingrédients. Alors ça, c'est très très bien. Ça, une petite cuillère en fait pour peser l'huile. Les petits liquides pour faire des sauces, vous voyez, ça se présente comme ça. C'est une petite cuillère. Et alors, est-ce qu'il faut mettre des piles à l'intérieur? Et il faut que je mette une pile à l'intérieur. Bon, je pourrais pas vous la... Donc, il n'y a pas de pile. Il faut mettre une pile ronde, apparemment. Je pense que je devrais en avoir. Je vais regarder. Et voilà, ça, c'est bien, ça, pour peser... les petits ingrédients, quand l'huile, les épices aussi, quand vous avez des épices pour une recette, vous avez juste à peser. Voilà, donc je vais mettre une pile. Et j'ai aussi sélectionné cette petite balance qui se présente comme ça. C'est une balance digitale, parce que c'est vrai que comme je cuisine, enfin moi je cuisine beaucoup, je n'achète pas de plats préparés, je n'achète pas de gâteaux, c'est vrai que je vous en parle souvent, je fais vraiment, je mange deux fois par jour, et quand mon mari n'est pas là, je fais des jeûnes. Donc en fait, je fais vraiment attention, quand je cuisine, je fais bien attention à ne pas mettre trop de gras non plus. Et j'aime beaucoup cuisiner avec des épices pour apporter de la saveur, mais sans matière grasse, sans trop de matière grasse, hein, parce que j'en mets, des fois, on est obligé aussi d'en mettre. Hein. Mais j'essaye de faire attention quand même à la nourriture. C'est sûr que j'achète jamais de gâteaux, j'en mange pas. Je suis allée au cinéma dimanche. Quand je vais au cinéma, je me prends tout le temps des pop-corns. Voilà, il y a des choses, quand je vais au cinéma, j'y vais une à deux fois par an avec mon fils, donc là je mange des pop-corn. Une fois par an, je vais au McDo avec mes enfants en été pour pouvoir me manger la glace parce que j'adore ça. Mais à la maison, je ne mange pas de pop-corn. Je fais mes gâteaux, je mets 30 grammes de sucre dans mes gâteaux, je fais très attention, je cuisine tout le temps. Je n'ai pas un paquet de gâteaux à la maison. Et c'est vrai que je me sers beaucoup de, d'ustensiles de cuisine, de robots pour cuisiner. Voilà, moi, ça, j'adore ça. Et puis, j'adore cuisiner parce que je trouve ça très agréable. J'ai plaisir à... Je trouve que ça détend. Je me mets de la petite musique classique en même temps. Et c'est du bonheur.
Alors, donc c'est une petite machine qui est digitale, comme ça, j'aurais préféré qu'elle soit métal, mais elle est pas métal. Et il faut, je pense qu'il faut aussi mettre des piles. Ouais, voilà. Donc vous avez des piles à mettre, j'en ai, je vais en mettre. Et puis je vais l'utiliser parce que je vais faire un petit gâteau là tout de suite. Attendez, bougez pas. Je vais chercher des piles et je vais voir si j'ai des piles pour ça aussi. Je reviens. Alors j'ai des piles, mais c'est chiant. Moi, ces piles rondes là, elles me gavent franchement parce que il y a plein de tailles. Vous voyez, je suis sûre que je vais pas avoir la bonne taille à tous les coups. Hein. J'en ai des petites, j'en ai des grandes. Et alors attendez, vous allez voir que ça va pas être le bon. Bah, c'est vrai que ces piles là, ça m'énerve. Et quand je vais dans un magasin pour en acheter, je me rappelle jamais de la bonne taille. Et donc du coup, bah, j'achète pas ce qu'il faut à chaque fois. C'est vrai que les autres, c'est plus pratique quand même. Il est quelle heure? Il est 17h30, on a l'impression. Ah, je crois que c'est ça. Non. Ah si, c'est bon. Super. Trop contente. Ah ben c'est bon. C'est la bonne taille. Super. Bon, eh ben vous voyez, c'est super. Alors, oui, il est 17h30, il fait nuit. Je déteste cette saison. Voilà, c'est bon, ça marche. Vous voyez, hop, ça marche. Super, je suis trop contente. Ça, c'est vrai que c'est bien, ça, ces trucs-là. Et en fait, il y a plusieurs modes. Trop, trop bien. Ça, c'est vrai que j'en avais pas et ça va être pratique. Et pour celle-là, par contre, j'aime pas du tout la couleur de ce truc-là. Je crois qu'il y a un plastique. Attendez, je vais déjà mettre mes piles. Ouais, je me demande si c'est pas un film qu'il y a dessus, bleu comme ça. Bon, après, c'est qu'une balance, hein, c'est pas grave, mais j'aime pas cette couleur. J'ai cru que c'était métallique. Ah, attendez. Voilà. Et c'est digital. Attends, j'arrive même, Kira. J'ai ma chienne qui veut sortir. Voilà. C'est plus joli comme ça, quand même. Magnifique. Voilà. Et ça marche. Super. Je vais pouvoir m'en servir pour faire mes petits gâteaux. Unité. Hop, trop beau. En métal, comme ça, je trouve ça très joli. Voilà pour mes petits ustensiles de cuisine. C'est génial. J'ai hâte d'utiliser la friteuse. Alors, par contre, on est trois, donc il y en a assez pour trois. J'ai hâte de l'utiliser. Je vous dirai ce que ça donne. Et je vous fais des gros bisous. Je vais éplucher mes pommes de terre et tout. Et je vous montre après. Voilà. Allez, à plus tard. Bisous. Alors, j'ai commencé à faire cuire les frites. Je les ai rajoutées 5 minutes de plus parce que c'était. Franchement. Il n'y a pas du tout de gras dedans. J'ai mis de l'eau dans la cuve. Et vous avez en fait le minuteur. Vous appuyez sur frites. Et c'est la vapeur en fait qui fait cuire les frites. Voilà. Bah, écoutez, pour voir qu'elles sont cuites sans matière grasse, elles sont délicieuses. Très très bonnes. Ouais. Franchement, elles sont très très bien. Voilà, on va refaire une autre tournée. Et en fait, il faut pas remplir trop la machine. Il faut pas dépasser 500 grammes de frites. Voilà, c'est pour deux personnes, pour éviter que s'il y a trop de frites, après ça cuit mal. Et vous pouvez mettre des frites surgelées là-dedans. Vous pouvez faire cuire du poulet. Du poisson, des crevettes, ce que vous voulez, faire des gâteaux même à la vapeur. Et régler la température si vous avez envie de mettre plus ou moins de température, il n'y a pas de souci. Vraiment bien, elle est très belle en plus, super. Voilà, écoutez, avec un petit peu de moutarde et un peu de viande, c'est très sain si vous avez besoin de perdre du poids, si vous avez besoin de faire attention, hein, eh bien, je trouve cette machine géniale. Voilà, et eh bien écoutez, je me suis servi de la balance aussi, elle est super.
Elle est très belle en plus. Je me suis servi de tout en fait. Je suis en train de cuisiner, je suis en train de faire mon petit gâteau portugais là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.